Lapin, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Je suis toute excitée parce que c'est enfin l'heure de mes vacances. Oui. C'est enfin mon tour de partir. Je suis trop contente. Donc je pars pendant 15 jours, je vais une semaine en Dordogne et une semaine en Ardèche. Et je voulais en fait tout simplement faire ma petite valise avec vous, vous montrer tout ce que j'emmène. Donc du coup, ça c'est ma petite pile de vêtements, donc c'est rangé tenue par tenue et pas les hauts avec les bas. Et je vais tout vous montrer, de visu parce que je pense que vous vous rendrez mieux compte. Alors, première tenue, c'est ma nouvelle combi de chez Calzedonia. J'en suis trop fan. Je l'ai sortie avec un collier et un bracelet souvenir de Mayotte. Merci belle maman. Et je porte tout ça avec mes petites Adidas rose gold. Alors, deuxième tenue, j'ai décidé d'emmener avec moi une petite veste au cas où. Et celle-ci ira avec à peu près toutes mes tenues. Elle vient de chez Bonobo, le short aussi, je l'ai eu en solde, j'en suis trop fan. Et mon petit top vient de chez Camailleux, mon petit bracelet coquillage de The Pretty Shop que j'avais gagné en concours. Trop contente. Troisième tenue, j'en suis totalement accro. Le haut, je sais plus d'où il sort, mais ça fait des années que je l'ai. Et la jupe, je l'ai achetée chez New Look en promo, mais ça fait partie de la nouvelle collection. Bref, un gros coup de chance cette histoire. Et mon petit choker vient de chez Shein aussi. J'adore cette tenue. Alors, quatrième tenue, c'est une jolie robe de plage de chez Calzedonia. Alors, elle paraît un petit peu grande, mais c'est fait exprès en fait. Et je l'ai mise avec un body parce qu'elle est archi transparente. J'ai aussi des petites fleurs dans les cheveux qui viennent de chez Claire's. Et franchement, l'ensemble, ça pète. Cinquième petite tenue, le grand classique, la petite robe noire, il en faut au moins une dans sa valise. Elle vient de chez Jennifer, je la porte avec des petites sandales noires. Et mon choker, c'est de la marque IAM, donc soit vous les trouvez en boutique, soit dans d'autres enseignes. Alors, sixième petite tenue, c'est une super combi short en jean de chez Bonobo, c'est de la nouvelle collection. Elle est à 40 €, mais franchement, je suis trop tombée en amour. Elle marque mes hanches et tout, mais franchement, je la trouve trop belle et je la porte avec un crop top de chez Pinky. Et pour finir, dernière tenue, parce qu'il faut toujours penser aux journées soft, aux soirées fraîches et aux journées de pluie. Donc, petite jean classique taille haute avec un petit débardeur basique de chez Camailleux et un sweat que j'avais trouvé à la halle. Voilà le grand classique, quoi. Alors maintenant que vous avez vu tous mes vêtements, donc j'ajoute aussi mes pyjamas. Donc je prends mes petites combis de chez Andy's évidemment. Vous aviez déjà vu la petite Bambi dans une autre vidéo. Je prends aussi mes petits maillots de bain. Alors le petit rose. Bon bah là j'ai mon chat qui m'embête parce qu'en fait c'est là où je mets mes sous-vêtements et mes maillots de bain. Mais bon, bref. alors ensuite... J'en ai un de chez Jennifer, je sais jamais dans quel sens il faut le prendre. Voilà, qui est comme ça, je l'adore. Et j'en ai acheté un cette année chez Shein. Il est plutôt pas mal, il me va bien, donc je suis assez contente. Il fait très chic. Et le dernier, bah, je l'ai sur moi. Il est de chez Miss Guided. Il a des trucs comme ça, il est trop beau, je l'aime trop. Mais du coup, si elle monte pas ses sous-vêtements comme tout le reste, c'est qu'elle les emmène pas. Elle est dégueulasse cette fille, hein ! Alors maintenant, on va passer aux cosmétiques. Donc je prends ma petite, mon petit vanity de voyage et je commence du coup par les grands classiques, hein. Le déo évidemment, donc c'est le Ushuaïa Bio Vanille. J'ai pris bio parce que je voulais éviter l'aluminium qu'il y a dedans. Ensuite évidemment je prends du démaquillant avec les petits cotons.
Je prends évidemment mon petit dentifrice à l'argile verte avec ma petite brosse à dents en poil de charbon. Donc je prends toujours mon savon, bon bah ça c'est pour le corps et en tant que shampoing. C'est mon savon de Marseille, voilà. Je l'emmène partout avec moi. Je prends ma coco cream évidemment. Pour le visage, j'ai acheté une petite série donc chez The Body Shop au tea tree parce que j'ai des problèmes d'acné. Donc j'ai pris le nettoyant purifiant du visage. J'ai pris aussi l'anti-imperfection qu'on met un peu en sérum en fait, matin et soir. Et une petite lotion matifiante. Voilà, donc ça c'est ce que j'associe maintenant du coup dans ma routine beauté avec toujours ma petite crème à base de bave d'escargot que j'avais acheté chez Action, dont je vous ai déjà parlé. Pour les cheveux, comme j'ai changé de couleur, j'ai un nouveau soin du coup pour atténuer, enfin enlever, c'est un déjaunissant en fait pour enlever le jaune. Et évidemment j'emmène aussi mon Coco Shine. Voilà, comme ça avec ces deux là je suis sûre de pouvoir bien entretenir mes cheveux. J'emmène donc ma petite brosse à cheveux, un petit peigne aussi. Et normalement je suis censée ne pas mettre de chaleur dessus etc. pour pas les abîmer. Mais je vais quand même emmener ma brosse lissante. Et évidemment après j'ai mon petit nécessaire de maquillage. Je suis trop fan de cette petite pochette que j'ai achetée chez Forever 21. Franchement, mais je suis trop accro. Bon bah du coup je vais pas refaire le tour de tout ce que j'ai parce que c'est déjà ce que j'utilise dans ma routine dont je vous ai déjà parlé. Et j'ai aussi ajouté mon petit parfum de sac à main. Voilà, j'aime bien en fait l'été changer de parfum. Et là du coup j'ai pris le Alien. Je trouve que c'est fruité et tout pour l'été, c'est vraiment sympa. Donc évidemment comme c'est l'été, je prends aussi tout ce qu'il faut pour me protéger du soleil parce que c'est important. J'ai craqué sur la marque Hawaiian Tropic parce que c'est celle que je préfère pour l'été en fait. J'ai pris la petite brume de protection solaire du coup. J'ai pris aussi tout ce qu'il fallait pour protéger le visage. Et évidemment j'ai pris l'après-soleil pour pouvoir prolonger le bronzage si j'arrive à bronzer. Je vous présente ma bouée géante Pan. C'est un joli pan, voilà, je suis trop contente. Donc bah, je vais l'emmener hein, à part parce que ça va pas rentrer dans ma valise, mais j'ai trop hâte de la gonfler. Et puis j'ai aussi acheté une petite serviette ronde de plage que j'adore. Ça représente un frangipanier. Comme mon tatouage quoi. La trouve méga trop belle. Bon et évidemment je rajouterai tout ce qui est chargeur, téléphone, caméra, etc. à la fin. Normalement je suis censée aussi ajouter une paire de tongs mais je crois que je l'achèterai sur place parce que celle qui me reste est complètement dead. J'ai emmené de quoi dessiner pour m'occuper et l'avantage de ce petit calepin que j'ai trouvé chez Action et dont je vous ai déjà parlé, c'est qu'en plus d'être de la dessin-thérapie, il s'agit aussi de cartes postales, donc il y a juste à colorier, écrire son petit texte et envoyer sa petite lettre. Normalement j'ai assez de place pour pouvoir ramener des souvenirs parce qu'évidemment je ne rentre jamais les mains vides. Hein. N'ayant pas de connexion internet pour continuer le Get Green and Sexy pour le sport, je me suis acheté le livre de Sissi. Bon de toute façon en tant que grande fan je l'aurais forcément acheté. Mais là voilà, double efficacité, je vais pouvoir continuer le sport tout en lisant son nouveau bouquin. Je suis trop fan. Je vous montre pas mon sac de sport parce que ça va être les trucs bateaux, hein, la paire de baskets, les vêtements de sport et puis ce sera tout. Je pars avec le strict nécessaire bien que j'en ai déjà beaucoup trop. On a une petite voiture alors... Et puis bah voilà mes petits chats, j'espère que ma petite valise vous aura plu. J'espère que je vous aurai apporté quelques idées pour vos prochains voyages. Bon évidemment mes petits chats, j'ai pensé à vous. Je voulais pas vous laisser toute seule pendant toutes mes vacances donc je vous ai concocté une petite vidéo pour chaque semaine où je serai absente, voilà. Si putain que c'est pas vrai qu'elle va publier quand même quand elle est pas là. Mais bon dieu, on va pas être tranquille hein, avec ces vidéos à la con. Donc même si je ne suis plus ici, je serai là quand même. Et puis en attendant, bah, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux, donc sur Instagram, sur Snap, sur Facebook aussi. C'est vrai que je suis beaucoup plus présente quand c'est les vacances.
J'adore partager ça avec vous, donc voilà. À très très bientôt mes petits chats, je vous adore.